Bonjour, je m'appelle Patrick Vincent. Nous sommes à Villadin, dans les locaux de Nature et Paysans. Eh bien, ça s'appelle Nature et Paysans puisque notre boutique est faite plutôt pour commercialiser les produits locaux des agriculteurs. Moi, je suis donc agriculteur. Eh bien, là, c'est production de courges, oignons, céleri, carottes, pommes de terre, toute la gamme de légumes puisque je fais des paniers de légumes en AMAP. Ces biscuits sont faits avec ma farine. Ici, on transforme ma farine en pain. Donc voilà un échantillon. L'agriculture bio, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Je suis reconverti depuis le début des années 90. C'est un choix que je ne remets pas en question. Là, on va éteindre le four. Il est en fin de chauffe et il va donc être prêt pour la mise au four de la pâte. Le foyer se situe sous le four. Donc la partie supérieure du foyer où on alimente en bois. Et c'est donc un four à gueulard. Le gueulard, c'est cette pièce en fonte qui est ici. Donc là, au moment de l'arrêt, il est à 350 degrés et on va attendre qu'il redescende à 270 pour l'enfournement. C'est un four qui date de 1889, donc à 127 ans, comme la Tour Eiffel. Ça fait partie du projet. Notre volonté, c'était de sauvegarder le four qui allait certainement être détruit puisque la boulangerie était revendue comme maison d'habitation. Donc bien souvent, les gens le détruisent pour gagner de la place. Ce n'est pas une obligation dans le cahier des charges bio, mais pour nous, c'est un plus de proposer du pain bio cuit au feu de bois. Alors, on obtient une cuisson un peu plus lente, puisqu'on va cuire le pain en chaleur décroissante, ce qui permet d'obtenir une croûte un peu plus épaisse qui va améliorer la conservation du pain. Voici nos différentes sortes de pain. Donc ici, des miches, par exemple, de pain complet, de pain aux 4 graines ou de pain semi-complet qui sont en train de pousser sur couche de lin. Donc, ça fait maintenant 8 ans que nous faisons le dimanche à la campagne. Pour nous, c'est l'occasion de faire une porte ouverte, de faire visiter notre fournil. Et depuis quelques années, nous organisons aussi une conférence et nous invitons différents exposants en rapport avec le bio ou l'écologie au sens plus général. C'est l'affluence qui nous fait renouveler. Et puis, la sympathie, l'intérêt à toutes ces démarches écologistes. Il y a une prise de conscience des citoyens pour aller vers un comportement plus respectueux de la nature. Donc notre volonté a toujours été d'associer l'agriculture et la culture et donc d'informer notre clientèle et le public. Conférence, nous avons entre 150 et 400 personnes selon l'invité. C'est toujours impressionnant de voir les rues du village bloquées, de voir les gens déambuler dans le village. C'est vrai qu'habituellement il y a une petite centaine d'habitants et on quadruple voire quintuple la population ce jour-là.